Il y a un cas, je pense que tout le monde attend. C'est un cas qui concerne M. Larco. Forme dit bien, vous attendez un peu le monde à parler de ça, pour qui ça, la police, pas de temps, et présenter à la presse, les situations de M. Dumont Larco. Eh bien, forme dit nous, toute opération pas faite même. Il y a des opérations qui prennent plus de temps et pour faire les, mais ça qui est plus important, c'est arriver par la population, bonnes informations et par en tant que information disponible. Donc ce n'est pas parce que on raison ou l'autre, entre plusieurs commentaires faits, mais en tout cas, nous avons quitté ensemble d'unité ça, nous avons une sérénité, pour nous accompagner la justice du peuple, pour être capable de mener l'opération. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier le contexte là. Dans notre situation de plan de sécurité pour fin d'année avec Nouvel An, qui vient corroborer avec le plan d'opération pour Al-Dariya et Nagade, pendant que les gens ont fêté, ensemble d'unités eux-mêmes, ils travaillent. Et c'est comme ça, 24 avec 25 décembre, accompagné de la justice de paix, ensemble d'unités ça vous dit là, soit BRI, BRTS, brigade criminelle là, en fait, dans les CBJ, qui est impliqué dans l'opération ça. Et Dumont, M. Dumont Larco, et va joindre arrestation suite à perquisition que vous avez fait en Dakaïli. Vous avez plusieurs fusils, et plusieurs pistolets, et plusieurs autres armes de calibre différents. Donc, vous avez procédé à arrestation. C'est 37, c'est 27, pardon, 27 fusils et d'assaut que la police avait saisi dans le domicile M. Larco, 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. C'est ça, nous sommes gardés là. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va être en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larco. Pas oublié tout à l'heure, nous avons parlé de 6 lots. Que différentes unités de police ont été saisies dans quatre patrouilles et qui ont été faites. Donc, sorti 15 décembre, à côté de la palais là, c'est en tout 45 armes à feu, 39 dans le domicile de M. Larco et 6 autres dans la rue. Ça va être au total 45 armes à feu que la police saisit dans cette période de temps. Ça veut dire sorti 15 décembre à date. Et pas oublier, j'en dis nous, que c'est en deux temps que l'opération a démené. Dans samedi, côté nous avons un conteneur qui a plusieurs blocs matériels dedans, munitions, armes, et que la justice de paix a posé scellé dans le et puisque l'opération a continué dans le 25 décembre. Donc, dans un premier temps, il a rejoint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, il y a eu une joindre
nous venons jouer 53 lots. Chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes, nous parlons nous là. Fusil, revolver, pistolet, etc. Ensemble de armes nous parlons là. C'est au total, pendant deux séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que nous saisissons la caille Monsieur Larco. Et c'est au total 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille Monsieur Larco. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a gilet tactique, deux gilets tactiques, deux couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en bille, 6 gaz lacrymogènes de marque respective, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons au fusil, 7 squelettes au fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet de quantité d'accessoires que la police avec la justice de paix démenait dans l'opération 24 et 25 décembre, la caille Monsieur Dumont Larco, que nous sommes là, qui est habillé avec t-shirt couleur blanche et pantalon couleur grise. Et nous attendons tout à l'heure là, ordre du juge de paix à bail. D'abord, gagner des matériels, des téléphones portables, des ordinateurs, pas vrai, des tablettes. Et qui va permettre que la police pour aller joindre plus d'informations que ça dispose déjà. D'accord? Et c'est dans 4 ça, j'aime te dire, l'opération a beaucoup fini, la continuer. Et en temps et lieu, la presse est capable de gagner. Si il y a une arrestation qui fait, ou bien au moment où il y a une arrestation qui fait, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre éventuellement mon local arrêté et M. Dumont Larco? On n'est pas toujours capable de faire ça. Monsieur Dumont Larco, Jean-Zanmi Télépacifique Lamandil, est-ce que Monsieur ça a un rapport avec plusieurs institutions dans l'État? Ou bien est-ce qu'il y a un moment de la durée de dépendre de travail pour certaines institutions dans l'État? Nous sommes capables de dire oui et donner, nous avons montré que M. a été contre travail pour certaines institutions dans l'État. D'ailleurs, c'est un amurier de profession et il est contre bail service à certaines entités dans l'État. Mais le constat que le juge de paix a fait révèle que ensemble de pièces et d'identification qui montrent que M. a contre travail avec certaines entités dans l'État, toutes pièces sont des pièces expliquées. Donc ça veut dire que dans le moment où nous parlons là, pas grand-chose entité dans l'État que nous joignons officiellement que M. a travaillé pour lui actuellement là. Tout pièce que nous avons amené, c'est de montrer que le rapport que nous avons dans le temps. Et il y a une chose qui est importante pour nous révéler à l'opinion publique là, c'est que un amurier n'est pas capable de gagner selon l'agenda qui est établi à plus que 10 armes côté la travail sous l'eau à la fois. Il ne va pas dépasser plus que 10. Et là, nous voyons que ça nous dit là, monsieur, ça, il est en train pour 9. D'accord? Et que là, jusqu'à présent, là, la police a continué et travaille pour regarder qui côté armes ça a sorti, dans quel moment et pour qui ça, armes ça a été rentré en possession, monsieur, ça. Donc, j'en dis, moi, c'est une enquête. Cap continue. Aussi la cour, jusqu'à présent, c'est la cour. La police a arrêté. Okay? Parce que l'important dans tout ça, droit moun tellement sacré, c'est pas pour de simples soupçons pour que son moun pour le arrêter, pour prendre liberté individuelle, pour le mettre de côté, pas avant que pour gagner des éléments concordants. Certainement, il y a un pile dossier que la police a travaillé sur lui. Certainement, il y a plusieurs moun actuellement là. Pour répondre à une question à la police, mais dans quatre dossiers, ça bien sûr, mais pas oublier moins de tout. Et par respect, la police, ils sont une institution qui est respectueuse des droits humains. Et nous prenons le temps, au moment opportun, ça veut dire que quand nous avons des faits avérés, que nous avons pour soit directement ou bien indirectement dans la situation, ça, pourquoi pas
Jean, ouais, nous fait procédure là, on y a là un X, on a fait un Y et on a fait un Z. Donc, question Vision 2000, il y a plusieurs volets là-dedans. Quel type de monde que M. Lapé travaille pour lui, nous disons que nous reconnaissons et nous avons des preuves que M. Lapé comme amurier, pour prêter service à plusieurs entités en dans l'État. Mais ça nous gagne, nous gagne plusieurs entités dans l'État, c'est ça nous-mêmes nous gagne, mais nous pas retirer possibilité s'il t'a un travail pour des institutions privées. De toute façon, c'est un professionnel d'âme, donc ça arrive, quel que soit le monde qui a besoin, capable toujours acheter service. Mais nous disons qu'on y a là, arrestation, monsieur ça, il est rentré dans le cadre, ensemble d'âme, que nous jouons là, par moins de 39. Et la Kaili, et Genayo n'est pas même qu'à expliquer pour Financio. Donc il est important que la réponse question la vraie, que la réponse question la justice, et pour permettre que la question soit éclairée, pour que l'opinion publique soit même capable de faire.